L'Expo 100%, c'est un parcours d'installation et une vingtaine d'artistes qu'on présente ici, entre la Grande Halle et deux lieux qui sont assez inhabituels pour le public, le WIP et une folie, le long du canal. On présente donc une sélection d'artistes qui sont à la frontière de plusieurs genres et de formes, donc plutôt hybrides, et qui parcourent donc un univers entre étrange, immatériel et science-fiction, on va dire. On est vraiment à la frontière du design, de la performance, de la musique, de la danse. On essaye aussi de bousculer un petit peu le rôle du spectateur en l'impliquant personnellement dans les œuvres. Ça permet au spectateur d'interagir. Ça met vraiment en lien le spectateur, enfin le visiteur de l'exposition avec la création artistique et avec l'idée qu'au final ça peut être quelque chose de très très simple. On s'intéresse au cinéma, on travaille la vidéo, la 3D, l'informatique, les arts numériques. Et en même temps, il y a aussi une activité plastique très très forte qui se développe. Donc ce sont vraiment des artistes qui sont jeunes et qui s'intéressent justement aussi à cette porosité qu'il peut y avoir entre les différentes plateformes d'expression. Certaines installations du parcours, comme par exemple Ada de Karina Smigla-Bobinski, en fait c'est vraiment le spectateur lui-même qui doit agir, sinon l'œuvre n'existe pas. On a affaire à une grande sphère géante avec laquelle on doit finalement presque lutter pour pouvoir dessiner dans l'espace. Et en même temps, c'est quelque chose de à la fois très ludique, très interactif et en même temps participatif. On a également cette pièce de Geoffrey Lillemont qui est à l'entrée en fait de la Grande Halle. C'est une installation de réalité virtuelle, mais pour y accéder, en fait, plutôt que d'être tout seul chez soi avec son casque de réalité virtuelle, il faut monter sur un trône et là finalement on fait partie de l'œuvre. C'est-à-dire que finalement on se met en scène et on devient une partie de l'installation. C'est vraiment très bien, c'est très ludique. Sombre. Lumineux. C'est clair-obscur. Ça vous va ça ? Accessible, oui. Interactif. Bizarre. Déroutant. Envoûtant. Psychédélique. Et phallique. 100% expo dans 100% village. 100% aussi. 100%. 100%.